Donc, pour travail que grâce à un produit, c'est un travail qui est basé sur l'enfance, oui. sur les jeux de l'enfance. Oui. Parce que grâce n'a pas eu une enfance facile, oui. tout comme les enfants de la rue, par exemple, c'est pour, entre guillemets, de bien la thématique de son travail. Donc, elle a grandi entre orphelinat, entre tante, tantine, entre franchement, logement pour enfants. Ouais. Elle a décidé, par rapport au travail qu'on connaît d'elle, par exemple, on connaît que grâce à elle, déchire en termes d'art plastique, ses toiles sont souvent plus illuminées, ouais. plus de couleurs. Mais elle a joué avec la couleur terre, marron et tout. C'est tout. C'est un travail un peu décalé de son travail d'origine. Elle a voulu proposer une thématique. Là, elle allait sur une base thématique, ouais. sur l'enfance. Ouais. L'enfance qui est animée par le Ndoshi, c'est pas si tu as connu le Ndoshi, c'est les éléments que tu verras plus haut, les boules. Ouais. Non, là, ouais. Le Ndoshi, c'est pour dire à la FIFA que avant que le film. Oui, tout à fait, on était déjà trop. Mais notre Afrique, notre ballon était conçu avec beaucoup de rassemblage de tissus. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont connu cette enfance. Après, tu verras sur les cubes, des jeux, tu auras des voitures, nous on appelle ça les limousines, tu vois, le Dom Mercedes-Benz et tout. Parce que quand tu étais plus enfant, quand tu connais ces voitures, tu sais que normalement tu donnais une jet. Ouais. Tu vois, tu donnais le nom que tu voulais la voiture dans ta tête. Quoi. Ouais. Donc, grâce, essaye juste de rappeler les consciences collectives, et surtout par rapport au sol. Donc, ouais. tu as vécu au sol, c'est par contre les enfants qui sont morts à combat. Ouais. Là, elle a poussé le bouchon pour tout le monde. Tu vois. Parce que tout ça, elle est très. Elle est sensible en fait sur la question de l'éducation. Ouais. Parce qu'elle n'a pas connu cette éducation. Tout comme nous, quoi. Moi, par exemple, j'ai pas connu la même éducation. J'ai eu des parents, mais qui, tu vois, l'éducation n'était pas comme certains parents qui sont plus concentrés. Quoi. Ouais. Du coup, ça nous remet en question nous tous. Ouais. Moi, je suis plus concerné à ça qu'elle. Ouais. Je me rends compte que bon, je joue à ça, j'ai fabriqué ces voitures, j'ai fabriqué ces Ndoshi là et tout, tu vois. Et après, tu vois, le but n'est pas oublié. Et la mamie là, la plus grosse mamie maintenant que tu vois, qui est conçue avec les plats. Ouais. La mamie de trois pieds. Ouais. Donc j'ai la mamie là-bas. La mamie de trois pieds, je ne sais pas si la mamie de trois pieds était plus petite. C'est la mamie de grand-mère en fait. Mm-hmm. La mamie de grand-mère à l'époque, grand-mère était très gentille. Grand-mère dont nourrissait tout le village. Ouais, 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 ouais. Et à cette époque, quand on était jeune, là, quand on jouait, quand on partait jouer au Ndoshi par exemple, son rapproché, ouais. on était une assemblage de Mouna. Tu vois. Mais on avait toujours Mouna qui avait une matière très high. Ouais. Une grand-mère très high qui invitait tous les amis après, tu vois pas la piole. Ouais. Mais tu vois pas la piole maintenant avec elle et tout. Là, tu as sorti la mamie de trois pieds. Elle avait tellement les plats. Elle avait toujours les plats. Donc, je t'ai dit que nous sommes venus. 22, ouais. 22 c'est le nombre de 11 équipes de ouais. ce club. X2, ouais. Oui, donc x2, et que comme même si on avait cette équipe-là, ouais. tu vois, donc ouais. on avait toujours ce moment de recueil. Ouais. Et ce moment de recueil était souvent chez un pote, mais un pote qui n'était pas chez lui, mais qui venait chez ses parents, et beaucoup venaient chez les grand-mères. Et la grand-mère, donc ce qu'elle faisait, en attendant qu'on arrive, elle préparait. Ce qui était à la disposition, quoi. C'était pas pas des jeunes. C'était ouais. elle qui décidait par rapport à ce qu'elle avait envoyé. Ouais. Et du coup, grâce à ces 10 mères, le nombre de plats qu'on a à l'orphelinat, parce que l'orphelinat c'est ça, et donc dans les jus et tout, comme ça, comme on gâte, comme on gâte, c'est des trucs, il y a beaucoup de plats, il y a une mamie qui nourrit un peuple. Ouais. D'où vient l'idée de la grande mamie? Ouais. Ah, la mamie de trois pieds est devenue plus grande. Ouais. Mais qui est conçue avec beaucoup de plats. Ouais. Le nombre de plats, c'est le nombre de moulins. Ouais. Et on peut faire plus, et plus, et encore, et encore. Ouais. L'idée n'est pas compliquée. Ouais. Donc l'idée est de comprendre la démarche. Ouais. Okay. Donc, voilà, je continue. Merci. Donc,